Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Jacques Cartier, explorateur. En 1533, j'ai décidé de ne plus continuer à bourlinguer à travers les mers sans but, comme je l'ai fait pendant 20 ans. Il était temps d'entreprendre une véritable mission, de partir de Saint-Malo et de revenir triomphant de découvertes et de trésors. J'ai donc sollicité l'appui de mon bon roi François Ier pour que je puisse, moi aussi, comme les Bretons ou les Normands, me rendre à la pêche à la morue dans le Nouveau Monde. Je suis expérimenté et j'ai déjà été en contact avec les Portugais au Brésil. Un an plus tard, je reçois 6000 livres de la part du trésorier du roi en tant que navigateur et pilote pour dépasser mon prédécesseur, Verrazzano, et découvrir les richesses, l'or des terres neuves encore inexplorées. J'ai eu du mal à recruter mon équipage, les Portugais ne nous épargnent pas sur les mers. Mais j'ai tout de même réussi à trouver 60 hommes pour mes deux petits vaisseaux de 60 tonneaux. Ma première expédition était lancée. Le 20 avril 1534, je partais de Saint-Malo et le 10 mai j'atteignais le cap de Bonavista à l'extrémité orientale de Terre-Neuve. Ce voyage a été à la fois un enfer, lorsque bloqué dans les glaces pendant 12 jours, nous ne vîmes rien qu'absence de végétation, et étions approchés de manière menaçante par des indigènes au ton de cuivre foncé, vêtus de peau de bête, une plume au travers de leur chevelure nattée. Cependant, notre arrivée sur l'île de Brion préfigurait le paradis. Nous y sommes arrivés au début de l'été arctique. La nature était toute en fleurs, luxuriante. Elle nous invitait aux délices. Je décidai tout de même de continuer mon voyage pour arriver à mon but final le 24 juillet 1534, où je vis s'enfoncer dans les terres immenses un fleuve. Je topographiai pour la première fois le golfe du fleuve Saint-Laurent. Pour commémorer ma découverte, j'ai fait dresser une haute croix de 30 pieds pour remercier Dieu de m'avoir mené à bon port, et j'y ai ajouté une inscription clouée au chef de la croix « Vive le roi de France ». Avant mon retour en France, il était impératif de collecter le maximum de renseignements sur cette contrée nécessaire à la couronne. J'ai rencontré des populations indigènes. Les femmes étaient si confiantes qu'elles venaient caresser les bras des matelots en poussant des cris de joie. J'apprenais que je n'étais pas le premier blanc aperçu et que du troc avait déjà eu lieu. Le 8 septembre 1534, le chef Donnacona de Stadacone, appelé seigneur du Canada par les indigènes, fit une prédication et un prêchement à leur mode, en démenant son corps et membres d'une merveilleuse sorte qui fut une cérémonie de joie et d'assurance. Il me fit remarquer que par la croix que j'avais posée, je le dépossédais de sa terre ancestrale. Pour l'apaiser, des broderies et des bijoux ont suffi. Les fils du cacique, Domagaya et Taignoagni, nourris au présent que nous leur offrions, étaient prêts à me suivre pour mon retour en France. Ce fut chose faite. Ils étaient la preuve vivante de ma découverte. Ainsi, ce premier voyage était le début. Cependant, il me fallait repartir pour le Canada. Il restait tout à explorer. Cette fois-ci, ma mission revêtait un caractère royal. Je devais conduire, mener et employer 3 navires, équipés et ravitaillés chacun pour 15 mois, au parachèvement de la navigation déjà commencée, pour découvrir outre les terres neuves. Au départ, en 1535, cette nouvelle expédition royale était composée de 3 bateaux, la Grande Hermine, la Petite Hermine et les Mérillons. Mon équipage était également composé d'un aumônier, d'un astronome, d'un géographe et d'une poignée de nobles aventuriers. Je ramenais également Domagaya et Taignoagni, les fils de Donnacona, devenus mes interprètes chez eux. Alors que j'avais mis 20 jours pour mon dernier voyage, l'océan nous a gardé 57 jours. Nous avons ensuite longé la partie occidentale de Terre-Neuve. Cependant, je m'inquiétais de ne voir aucun accès qui aurait pu m'amener aux Indes.
je décidai tout de même de continuer vers le nord. Nous sommes arrivés près de côtes escarpées et pour la première fois, nous vîmes dans la rivière des poissons en forme de chevaux, lesquels étaient à la terre la nuit et le jour à la mer. C'est ce qui nous fut dit par les sauvages. J'étais enfin convaincu que du Labrador au Saint-Laurent, nul des trois ne menait vers l'océan Pacifique. Du coup, je décidai de m'adonner à des recherches sur ces terres nouvelles, comme le roi m'en avait donné la mission. Pied à terre, nous avons rencontré quelques indigènes. Souvent, ils fuyaient. Heureusement, grâce au fils du cacique, la prise de contact permit de partager et de troquer quelques babioles pour des repas copieux. De marin, il fallait désormais que je devins négociateur. Je savais qu'il me fallait la confiance des indigènes, moi qui souhaitais arpenter leur territoire à la recherche d'un endroit où baignaient les trois navires. Je l'avais enfin trouvé, le havre de Sainte-Croix. C'était une bonne terre, qu'il était possible de voir bien fructiférante, pleine de fort beaux arbres de la nature, et une sorte de France, comme des chênes, ormes, frênes, noyers, ifs, cèdres, vignes, aubépines, qui portaient le fruit aussi gros que des prunes de Damas, et autres arbres sous lesquels poussaient d'aussi beaux chanvres que celui de France, qui venaient sans semences ni labour. Je crée ainsi le premier fortin européen en terre canadienne, qui s'appellerait Québec. Cependant, sur le point de repartir de ce lieu, une étrange ambassade arriva à moi. Il s'agissait d'un seigneur du peuple de Stadacone, accompagné d'hommes, de femmes qui dansaient dans l'eau et d'enfants. Le seigneur fit un long discours et nous échangeâmes présents. De retour chez le chef Donnacona, les deux fils du cacique étaient escortés par 25 barques pour se rendre à Stadacone. Je les priai de venir avec nous sur le bateau. Ils refusaient. Le lendemain, la défiance était palpable, quelque chose se tramait. Finalement, Donnacona ne souhaitait pas nous voir continuer notre exploration vers Hochelaga, soi-disant pour nous protéger, car notre embarcation ne passerait pas. Dans la soirée, ils ont même procédé à un envoûtement pour nous en empêcher. Nous avons regardé cette cérémonie amusée, tout en sachant que leur dieu stupide ne rivalisait pas avec notre dieu Jésus qui nous protégerait du danger. Finalement, nous avons échangé de nouveau des présents. Domagaya et Taigno Agni n'ont tout de même pas voulu nous suivre, comme aucun autre indigène d'ailleurs. Après Hochelaga et de retour à Stadacone, nous avons laissé en mouillage à Sainte-Croix les deux plus gros navires et pris les Mérillons pendant un mois pour remonter le fleuve Saint-Laurent. Partout, les indigènes nous recevaient dans les meilleures conditions. Cette civilisation pacifique vivait encore tout près de la nature, ce qui leur offrait une majeure partie de leur subsistance. Sur ce mois, nous n'avons perdu aucun homme, ni violenté qui que ce soit. Nous avons continué à inventorier ce que nous vîmes, des ressources abondantes, du raisin si gros du jamais vu. Arrivés à Hochelaga, nous avons découvert une métropole importante qui lie les peuples un peu à la manière des Aztèques. Nous avons été merveilleusement accueillis. Ils souhaitaient même que nous les guérissions de certains maux. J'y consentais en mandataire de Dieu et de mon roi. Au loin, j'observais un paysage particulier, un site élevé d'une beauté enchanteresse. C'est ici que je construisis la capitale de la Nouvelle-France, Mont-Royal, qui deviendra Montréal. De retour à Sainte-Croix, mon équipage avait construit un véritable bastion, cependant les tribus du Stadacone étaient moins avenantes que celles d'Hochelaga. Là-bas, on y scalpait ses ennemis. Cependant, nous devions encore remonter. Je gardais la conviction que de l'or s'y trouvait. C'était le véritable but de mon expédition. En attendant, nous avons découvert les coutumes comme le mariage à plusieurs épouses ou comme nous, la croyance d'une âme après la mort et nous avons découvert une plante étonnante. Une herbe qu'ils font sécher au soleil et la portent à leur cou avec un cornet de pierre ou de bois puis à toute heure mettent un charbon de feu dessus et sucent par l'autre bout. Tant qu'ils s'emplissent de fumée, tellement qu'elle sort par la bouche et les narines comme par un tuyau de cheminée et disent que cela les tient sains et chaudement. Je n'y tiens pas. Mon collaborateur a conclu qu'à ce que nous avons vu et pu entendre de ce dit peuple, il semblait qu'il serait aisé à dompter. Dieu, par sa sainte miséricorde, y veuille mettre son regard. Nous avons consacré notre temps à l'étude géographique, relevant tout. Nous avons inventorié également les animaux, d'un nombre impressionnant.
L'hivernage fut très rude au niveau de Sainte-Croix. Une grave épidémie de scorbut a décimé une bonne partie de mon équipage. Les survivants n'ont dû leur salut qu'à un remède indigène tiré de l'aneda, un sapin baumier, donné par mon interprète Domagaya. Certains des indigènes qui ont été molestés par mes hommes paraissaient de plus en plus réticents à notre présence. Ils ne semblaient plus être dupes des petits présents. De plus, au printemps, un afflux de guerriers inconnus est arrivé à Stadacone. Donnacona nous avait dit que les guerriers de la tribu allaient à la chasse aux cerfs et daims et que cela durait 15 jours selon la coutume. Cela faisait 2 mois qu'ils étaient partis. Ils étaient peut-être allés chercher des renforts. Je décidai de rentrer en France, sentant comme un guet-apens se mettre en place. Aussi, je souhaitais avoir des otages pour suppléer au manque d'hommes, des otages que je pourrais ramener en France. Taïgno Agni me proposa d'emmener un autre chef iroquois pour qu'il découvre la terre des Blancs. Cependant, méfiant, je me suis aperçu que le chef proposé, Agona, n'était autre que l'ennemi de Donnacona, permettant de l'éliminer sans guerre. J'ai donc proposé à Donnacona de prendre quelques enfants pour leur apprendre la langue et la religion de mon pays et de les reconduire ensuite au Canada où ils deviendraient instituteurs de leurs frères. Finalement, j'ai pris le parti d'Agona et au départ, pour la cérémonie des adieux, j'ai fait monter Donnacona, ses 2 fils et 10 autres chefs partisans de Donnacona et j'ai levé les voiles. En kidnappant Donnacona, Agona n'avait plus qu'à prendre le contrôle. Nous sommes donc partis le 5 mai 1536. Je ramenais en France le constat de l'insularité de Terre-Neuve dont j'ai découvert le passage du Sud, fixé le régime des eaux et la navigabilité du Saint-Laurent, dressé un catalogue précis des ressources végétales et animales. J'ai dressé la nature distincte des peaux rouges entre guerriers du Nord et ruraux du Sud. De tout cela, j'apportais la réponse suivante. Une possibilité de mise en valeur qui ne devrait être entravée ni par l'opposition des hommes, ni par des divergences de climat et de ressources. Je restais tout de même persuadé d'avoir abordé la côte asiatique et surtout de ne pas avoir découvert l'or dont j'avais tant entendu parler avec un fort goût d'inachevé. Les indigènes seraient appréciés en France et conteraient au roi l'histoire du fameux royaume de Saguenay aux multiples trésors dont Donnacona m'avait parlé. Une fois tous les éléments relatés au roi, et la rencontre avec les Iroquois, qui ont vanté les multiples trésors de leur contrée, je décidai de m'engager pour une 3e expédition. Cependant, le roi m'obligea à être subordonné à un gentilhomme de médiocre réputation, M. La Roque de Roberval, qui dans le même temps était nommé vice-roi du Canada. Je décidai donc de partir seul le 23 mai 1541. Je retrouvai Agona, lui rappelant que grâce à moi il était débarrassé de Donnacona et d'autres, mais que je pouvais désormais aisément le remplacer par ses fils si Agona ne se rangeait pas de mon côté. Las d'attendre l'arrivée de mon supérieur, campé près de Sainte-Croix, Charlebourg-Royal, je décidai de me mettre en quête de ces pays de richesses. Je n'avais guère dépassé le site de Montréal que j'ai découvert une mine d'or et de diamants. Cependant, pendant mon absence, les indigènes s'étaient rebellés. J'ai dû repousser les attaques. Ils étaient passés d'une amitié mercantile à une ouverte hostilité. Faute à la brutalité du vicomte Beaupré resté sur place qui abusait de leur hospitalité. Il traitait leurs porteurs en bêtes de somme, l'un d'eux frappé d'un bâton se révolta et prit son bourreau à la gorge et le jeta à la mer où il périt. D'autres suivirent. Ainsi, tous repliés dans la forteresse érigée, mon équipage était assiégé par les indigènes. Je chargeai l'or et les diamants et repartis pour la France. Avant mon départ, je croisai M. de Roberval qui arrivait enfin à bon port. Mais je décidai tout de même de partir sans savoir qu'en 1543, je devrais revenir le chercher après un échec cuisant de son installation. En arrivant en France, quelle fut ma surprise de me rendre compte que l'or et les diamants que j'avais acheminés n'étaient en fait que du minerai de cuivre et du cristal de roche. Je décidai d'effectuer un dernier voyage pour recueillir les débris de l'expédition Roberval. Ce voyage fut mélancolique et sans histoire. De retour en France, je savais que je ne retournerais plus dans cette nouvelle France. Aussi, à l'âge de 50 ans, je m'installai dans ma ville natale dans la considération de tous pour ce que j'avais effectué. Je meurs en 1557, ouvrant la voie de l'Amérique du Nord, aux futurs colons. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Green, oui. Green, comment ?
Oh, super green. Aussi green que ça peut être. Green, la puissance des babotines. Green, 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 tu vois. Mais tu vois, la green, 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 green.